Aujourd'hui, donc, on est sur le Salon international de l'alimentation. C'est le jour du lancement officiel du guide Agro ou Exporté 2025, la 17e édition. C'est un outil, encore une fois, gratuit. C'est un outil d'intelligence économique absolument indispensable pour chaque entreprise qui souhaite à la fois construire, réorienter ou affiner sa stratégie export. Le marché agroalimentaire, ça reste quelque chose d'énorme. On parle de 1925 milliards d'euros. C'est donc un gâteau, si j'ose dire, qui est extrêmement important et pour lequel les entreprises françaises doivent avoir leur part. Chaque entreprise, effectivement, a besoin d'avoir cette connaissance, ce déclic à l'export, et a besoin d'être aidée par Business France, notamment. Le OU Exporté, c'est un peu une bible à l'export. C'est un guide qui va couvrir trois aspects. Donc le premier, ça va être vraiment une couverture des échanges mondiaux agricoles, agroalimentaires. Le deuxième point, c'est une analyse filière par filière des points forts de l'offre française à l'export. Et le troisième point, qui est un peu le cœur de l'ouvrage, c'est une analyse synthétique de 40 marchés. C'est une bible primordiale pour les exportateurs, les primo-exportateurs. Pour Saint-Hubert, c'est vraiment important d'avoir la mise à jour régulière pour voir quelles cibles de pays viser et quelles sont les évolutions des tendances de consommation dans chacun des pays. C'est un outil vraiment très utile pour les entreprises. Je le recommande vivement et très régulièrement depuis des années parce que c'est un premier guide qui permet de les orienter sur l'export pour choisir leur marché, pour avoir des premières informations sur des marchés avant évidemment d'aller regarder un peu plus profondément les études Business France qui sont spécialisées pour chacun des pays. Chaque entreprise dans l'agroalimentaire aujourd'hui peut apprendre quelque chose en consultant ce OU Exporté. Ça va de l'amont agricole jusqu'au vin, au spiritueux, au cidre. Et aujourd'hui, c'est un incontournable et pour les primo-exportateurs et pour les gens qui sont déjà sur un marché mais qui voudraient en apprendre un peu davantage.